comment améliorer son bien-être. Ça aussi, c'est un sujet qui me titille de temps en temps, parce que c'est quelque chose qu'on oublie. Vous allez voir des petits détails, des fois, qui ne tiennent pas à grand-chose, mais qui changent véritablement les choses en profondeur. Alors, voyons un petit peu quelques exemples qui pourraient vous permettre d'améliorer votre bien-être avec votre entreprise, dans votre démarche d'entrepreneur, qui sont non négligeables. Première des choses, votre fauteuil, aussi bête que ça puisse paraître, être bien assis, ça peut changer vraiment votre bien-être. Quand on est assis sur un tabouret, qu'on est mal positionné, etc., on va avoir des mal de dos. Le mal de dos, forcément, ça monopolise votre attention. Du coup, vous n'êtes pas ou plus ou moins concentré, vous êtes moins créatif, etc. Vous avez tendance même à, dans votre tête, vous vous plaignez du mal de dos, etc. Vous vous contorsionnez. Bref, c'est pas fait pour être agréable. Puisqu'il y a la chaise, le fauteuil sur lequel vous êtes assis, il y a aussi bien évidemment le bureau. Là aussi, il y a des hauteurs qui vont vous convenir, pardon, d'autres pas du tout. Il va y avoir tout ce qu'il y a sur votre bureau. Alors, il y a des gens qui préfèrent des petits bureaux. Effectivement, il n'y a pas grand-chose dessus, mais des fois, on a besoin de plus de place. Donc, il faut savoir aussi être à l'aise. Il y a tout ce qui va être à portée de vous en termes d'objets, que ça ne vous oblige pas à vous contorsionner non plus pour atteindre, je ne sais pas, un classeur, par exemple, même si les classeurs, on peut les supprimer, etc. Voilà, donc ça, il y a la partie objet, déjà, ne serait-ce que sur dans votre bureau, de manière générale, dans votre espace de travail. Il y a aussi tout ce qui va concerner vos vêtements. Aussi fou que ça puisse paraître, être à apprêter, bichonner, sentir bon, etc., raser de près, être bien habillé, ça vous donne de l'énergie. Et ça, c'est important. Alors, à tous ceux qui travaillent en boubou, en pyjama, etc., à la maison, ouais, c'est confort. Ok, je valide, c'est confort, c'est détente, etc. Sauf que quelque part, c'est tellement détente que ça enlève la pression dont vous avez besoin pour avancer. Qualitativement, l'air de rien, on baisse le niveau. C'est subtil, hein, on ne s'en rend pas compte. Et pourtant, quand on s'apprête, on se dorlote, on se bichonne, etc., il y a un côté, quelque part, inconsciemment, c'est « je vais être à la hauteur de l'image qui se dégage de moi ». Et puis, ça fait du bien au moral, il ne faut quand même pas l'oublier, que de se bichonner, de se dorloter, se voir beau dans le miroir et accessoirement par des regards, ça n'est jamais désagréable, on est d'accord. Donc, il y a cette partie-là. Il y a clairement aussi l'approche de comment vous vous sentez dans votre corps. Si vous avez du surpoids, si vous avez une maladie, ne serait-ce que même déjà un rhume, sans aller trop loin non plus dans les maladies qui peuvent être un peu gênantes, je ne parle pas de maladies longues, je ne parle pas de choses comme ça, ça c'est encore une autre histoire, mais il y a aussi ça qui fait qu'on se sent bien ou pas. Si vous ne vous sentez pas bien dans votre corps, il faut faire quelque chose. Ce soit du sport, une intervention esthétique, je ne sais pas, peu importe, ou essayez peut-être de vous habiller déjà un petit peu différemment pour que ça atténue un peu tout ça, ou alors très clairement accepter le corps que vous avez. Enfin, cela dit en passant, si vous vous sentez mal dans votre corps, c'est que quand même il y a un souci. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important pour votre bien-être. Parce que, sans aller jusqu'à « faut s'aimer, I love me », à fond les ballons, des pieds à la tête, non. Mais au moins être en accord avec la totalité de sa personne, du point de vue physique, c'est important. Le bien-être, ça passe aussi par des relations harmonieuses. Ça veut dire aussi être capable d'avoir une bonne communication, mais aussi de trier son relationnel. Ça va de pair avec l'entourage proche, bien évidemment, mais c'est aussi valable dans l'entrepreneuriat, dans votre entreprise. Travailler avec un prestataire ou un salarié avec qui ça ne passe pas, pour tout un tas de raisons. À un moment donné, même si vous devez donner l'exemple, que vous devez être arrangeant, etc., peut-être qu'à un moment donné, la tension que ça génère, peut-être qu'on peut la supprimer en se séparant de cette personne-là. Parce qu'à un moment donné, votre bien-être, c'est une priorité. Vous êtes celui qui guide, qui trace la voie, etc. Vous entraînez une équipe, mais si vous n'êtes pas au taquet, si vous êtes sous tension, si vous êtes énervé, si vous êtes désagréable au possible, votre équipe, à un moment donné aussi, elle lâchera prise. Donc, ça a un impact.
Donc là, je vous ai donné quelques exemples, histoire de vous mettre sur la voie, mais il est important de regarder tout ce qui peut vous chagriner, tout ce qui peut vous déranger, tout ce qui peut vous faire, entre guillemets, du mal, que ce soit par vous, ou pour vous, ou de vous, de façon à pouvoir rectifier le tir. Et ça nécessite de prendre conscience de qui on est, de nos forces, de nos qualités, de nos défauts, etc. Parce que les défauts aussi ont des avantages, hein, on a les qualités de ces défauts, pardon. Ça nécessite de travailler sur vous-même. Donc, vous avez un lien dans la description. J'ai mis en place un challenge. Il est offert. Il dure 7 jours. 7 points particuliers sur lesquels vous allez pouvoir travailler et qui va vous permettre de comprendre que en travaillant avec la meilleure version de vous-même, en exploitant votre plein potentiel, votre unicité, votre magie, votre force, votre puissance, votre côté alpha, parce que c'est quand même non négligeable, votre polarité masculine à fond les ballons, ben ça peut vous apporter de gros résultats, de grands résultats, et voire même très rapidement dans votre business. Parce que votre business, c'est vous à la base. Et si vous n'êtes pas bon, le business ne sera pas bon non plus, il n'y a pas de magie. Donc, cliquez sur le lien dans la description et on se retrouve de l'autre côté.